Alors, je suis responsable au sein du centre hospitalier Annecy-Genevois, de l'accueil général de l'hôpital, du standard du site d'Annecy, du standard du site de Saint-Julien et de l'équipe des services civiques, les jeunes en mission volontaire service civique ainsi que de leurs tuteurs. Alors, depuis le début de ces crises, mes missions ont changé et évolué. Elles ont dû s'adapter, bien sûr, à ce virus qui est arrivé et qui a vraiment changé une organisation, l'organisation du centre hospitalier. À l'accueil, des changements ont eu lieu puisque le flux est beaucoup moins important, les visites sont interdites, mais les hôtesses ont un rôle quand même important puisqu'elles filtrent toutes les demandes qui arrivent à l'accueil. Quant au standard du site d'Annecy, celui-ci a eu un impact assez rebondissant puisque beaucoup de numéros de téléphone ont changé du fait de l'ouverture de plusieurs services au sein de l'établissement. Et de ce fait, cela représente ensuite en interne et en externe jusqu'à 4 000 appels par jour pour l'équipe des standardistes du site d'Annecy. Quant au standard de Saint-Julien, celui-ci est aussi impacté puisqu'à Saint-Julien, nous recevons aussi des patients liés au Covid et celui-ci a aussi beaucoup d'appels plus qu'à l'origine. Une nouveauté est arrivée, nous avons eu beaucoup de demandes de dons par les entreprises extérieures qui voulaient montrer un signe d'encouragement à tout le personnel de l'hôpital. Ces dons arrivent ici, donc au centre hospitalier, à l'accueil, et sont distribués équitablement dans tous les services, tous les jours au quotidien, et ces douceurs sont appréciées par le personnel. L'équipe des services civiques a connu aussi une nouvelle organisation puisque celle-ci se trouve actuellement à l'accueil des urgences liées au Covid. Ceci implique effectivement une organisation pour elle et beaucoup d'organisation en termes de précautions. Ce que je retiendrai de cette crise, de cette pandémie, c'est la réactivité que l'on a pu tous avoir au sein du centre hospitalier Annecy-Genevois. En effet, tout le personnel, quel qu'il soit, administratif, secrétaire, technique, téléphonie, cuisine, ménage, administratif, direction, cadre, médecin, soignant, tout le monde fait partie d'une grande chaîne qui, avec un grand professionnalisme et une grande solidarité, arrive à faire face.